Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, première vidéo. Nous sommes le mercredi 18 mars et pendant toute la durée du confinement, je vous proposerai une vidéo chaque jour, 7 mouvements à répéter plusieurs fois. Aujourd'hui, nous partirons sur 6 à 8 répétitions sur 3 ou 4 séries. Ça va être des mouvements qui vont travailler les cuisses, la sangle abdominale, les triceps, accessoirement les épaules, la poitrine, le fessier. Vous pourrez retrouver ces séances sur la page Zenfitude, page Facebook, et plus tard nous allons les mettre sur le site zenfitude.com. D'accord? Je pars du principe que, avant chaque séance, vous êtes échauffé. Si vous faites cette séance le matin, je vous conseille d'aller marcher 10 à 15 minutes, marche rapide avant, d'aller trottiner un petit peu, de bien vous étirer. Ne commencez pas une séance à froid. Si vous faites cette séance en milieu de journée, pas de souci, on considère que votre corps a eu le temps de s'échauffer et musculairement. Et au niveau de vos articulations. D'accord? Je vous propose un nombre de séries. Si ce nombre est trop important, n'hésitez pas à réduire ou à l'augmenter si pour vous c'est un petit peu trop léger. N'allez pas jusqu'à la blessure, prenez soin de vous. On est sous le soleil. Je vous invite à commencer sur le premier mouvement. N'oubliez pas de vous munir de l'eau et la petite serviette, toujours important, pour pouvoir faire les mouvements. D'ailleurs, avant de commencer. Très bien. Premier mouvement. Voici ce que je vous propose. Le thème de ce cours, ce sera mouvement, animation proposée avec des chaises. Tout le monde a des chaises à la maison. Je pars du principe qu'on est confiné. Donc, ce sera avec des chaises, ce sera avec des manches à balai, ce sera avec des bouteilles d'eau, des choses que tout le monde a à la maison. Premier mouvement. Ça commence bien. On s'assoit sur la chaise. Le dos bien décollé, les omoplates resserrées, les épaules basses, les mains en arrière. Le but du jeu va être d'ouvrir et de fermer sans bouger le dos. On serre bien la sangle abdominale. Trois mouvements. Ensuite, on souffle, on souffle, on souffle. Trois mouvements. Ensuite, souffle, extension complète, souffle, souffle. Et ça, on essaie de le répéter, comme je vous l'ai dit, entre 6 et 8 fois. On démarre, redressez-vous bien, serrez la cage thoracique, ouvrez bien la cage thoracique, pardon, serrez bien les omoplates. On est parti. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Trois mouvements en gardant un dos bien droit, surtout n'arrondissez pas le dos, restez bien droit. Monte, monte, monte. Trois extensions. Souffle, souffle, souffle. Si vous avez besoin de récupérer, vous soufflez, vous relâchez un petit peu. Vous allez sentir vos cuisses travailler, vous allez sentir votre sangle abdominale travailler. On y retourne, encore un peu. On se repositionne bien. Souffle. Gardez un dos bien serré, des abdos bien serrés. On monte. Souffle. 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 Extension. Souffle. Souffle. D'accord? 6 à 8 fois, vous essayez de le répéter entre 3 et 4 séries. D'accord? Deuxième mouvement proposé, on va partir sur des squats. Très simple. Toujours par 3. Aujourd'hui, séance chaise et on fait du 3-3. 3 grandes amplitudes. Je viens en contact de la chaise, les bras bien tendus, poids du corps dans les talons, les abdos bien serrés. Je souffle. Sans extension complète, je ne verrouille pas mes genoux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et trois petits. 1, 2, 3. Et je recommence. Souffle. 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 1, 2, 3. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Soufflez bien en montant. Vous allez sentir votre petit cœur qui va monter. Super, poids du corps dans les talons. Génial. Isabelle, souffle bien. Voilà, bravo. Noël, très bien. On y va. Allez Françoise, on souffle. On lâche rien. Soufflez bien. Encore.
On a de la chance d'avoir du soleil. Profitez bien. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore une dernière fois. Très bien. Là déjà, vous allez sentir le petit cardio qui monte. On décontracte bien. On a bien senti ses quadriceps. On a venu engager le grand fessier également. Et la sangle abdominale. On boit un petit coup. C'est parfait. Ensuite, on va partir sur un mouvement triceps, de façon à relâcher un petit peu vos cuisses, vos fessiers. Pour le triceps, très simple. Même chose, je groupe par 3 mon nombre de répétitions. On avance bien les pieds, les doigts sur les côtés, on serre les omoplates, on inspire, on souffle. On garde les coudes bien serrés. J'inspire, je souffle. 3 petits. 1, 2, 3. Et je repars sur 3. Souffle. On essaie de ne pas céder les jambes. C'est pour ça que j'éloigne mes pieds. Vous entendez les petits chants des oiseaux? Soufflez bien. J'essaierai de vous mettre de la musique par-dessus tout à l'heure. C'est la première vidéo, donc il va y avoir des petites imperfections, mais on s'améliorera au fur et à mesure. Allez, encore. Il faut bien que ça chauffe. Si jamais tu ne peux plus, tu as le droit de reposer, bien sûr. Peut-être ne pourras pas du tout faire aujourd'hui, pas grave, le but c'est de s'améliorer. Encore? Allez, je souffle bien. Et on vient se reposer sur la chaise. Vous aurez bien senti vos triceps se travailler, vos deltoïdes antérieurs, vos épaules. Là on a fait une série. Vous allez devoir la refaire 3 ou 4 fois. Combien de temps je récupère? Le temps dont vous avez besoin. 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Il faut que les séances que je vous propose fassent entre 30 et 45 minutes environ. D'accord? Prenez le temps, on a du temps. Troisième mouvement, quatrième mouvement, quatrième mouvement. On part sur des squats larges. Même posologie que tout à l'heure. On met bien les pieds à 10h10. On inspire, on souffle en montant, grande amplitude, et je repars sur 3 petits. 1, 2, 3. On serre bien la sangle abdominale, poids du corps talon, dos bien aligné, souffle en montant, 1, 2, 3. Encore. 3, 3, 3. Allez. 1, 2, 3. Quatrième. Encore. 1, 2, 3. Cinquième. 1, 2, 3. Petit. 2, 3. Une petite dernière. Et les petites amplitudes. Ok, on relâche. Là, ça commence à bien chauffer. N'hésitez pas à tirer un petit peu la chaîne postérieure. On descend bien, on souffle bien, on descend et on relâche. Pour reposer le bas, on repart sur le haut. Travail triceps toujours, épaules, poitrine. On va bien gainer avec sa sangle abdominale. On aura besoin d'un petit tapis ou quelque chose pour protéger vos genoux. J'ai le tapis de compète, j'ai de la chance. Toujours avec les chaises. On va venir se mettre à genoux. On essaie d'avoir les coudes à la verticale des poignets. On serre bien la sangle abdominale. On gaine. On inspire. On souffle. Toujours mon fameux 3-3. 3 grands, 3 petits.
1, 2, 3. Je ne me précipite pas. Je gaine bien. Je serre les abdos. 1, 2, 3. Si parmi vous, il y a des personnes suffisamment fortes pour ne pas mettre les genoux au sol, fort bien. On partira sur des pompes inclinées. Grand, je souffle. Grand, je souffle. Grand, je souffle. 1, 2, 3. Vous mettez le curseur là où vous pouvez. Calculez bien que si vous faites 6 séries de 3, on sera déjà sur 18. Grande amplitude. Vous rajoutez la même chose sur les petites. Vous comprendrez que l'effort est quand même important. Très bien. On n'hésite pas à bien étirer derrière. On souffle bien. C'est bon. On a de la chance. Sixième mouvement. En étant bien récupéré, hydratez-vous si besoin. Les fameuses fentes. Les fameuses fentes. Je ne vais pas vous proposer des fentes traditionnelles. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Je vais vous proposer des fentes avec la chaise. Travail plus accru sur la jambe d'appui. Vous allez bien sentir votre cuisse, quadriceps, votre grand fessier. Ça va bien chauffer. D'accord? 3 grands, 3 petits. Essayez de le faire 6 fois si possible. Sur chaque jambe, bien entendu. Si le nombre de séries est trop important, n'hésitez pas à diminuer en fonction de vos possibilités. Démonstration. Je place une jambe derrière et là je vais venir descendre sans dépasser le pied avec mon genou. Je souffle, je souffle, je souffle, je pars sur les trois petits. 1, 2, 3. Une fois. Allez, on est parti. On serre bien les abdos. 1, 2, 3. Encore. N'hésitez pas à diminuer le nombre de séries si besoin. Moi, je suis toujours un petit peu gourmand. Donc, faites vraiment selon vos possibilités. On descend bien. On sent son fessier travailler. Encore deux. Allez, on souffle. On souffle. On est fort. On évite de verrouiller son genou également. Rentrez bien la sangle abdominale. Soufflez bien. Petite dernière, 1, 2, 3, et on remonte. Et là, vous décontractez bien avant de faire l'autre série. Tout va bien? Les filles, on garde l'envie, le moral, il fait beau. On enchaîne. Donc, jambe droite, jambe gauche, bien sûr. Pour terminer sur le septième mouvement, je ne peux pas vous laisser partir sans du gainage. N'oubliez pas, gainage tous les jours, hein. Faites bien vos devoirs. Que je ne vous retrouve pas dans quelques semaines avec 2 ou 3 kilos de plus. Hors de question. On enchaîne. Sur un gainage, jambes sur step. On va venir chercher. Vous comptez environ 3 secondes dans cette position. On serre bien la sangle abdominale, le nombril vers le plafond. On émet bien les épaules à la verticale des coudes. Et ensuite, 1, 2, 3. Surtout sans creuser le dos. Si jamais vous sentez que votre dos creuse, eh bien vous remontez un petit peu et vous restez en statique. D'accord? 1, 2, 3. Je tiens 3 secondes. 1, 2, 3. 3, encore, 1, 2, 3, je tiens,
1, 2, 3. Encore. Serre. 1, 2, 3. Courage. 1, 2, 3. Ok, super. Et on vient s'étirer. On souffle bien. Donc je répète, on essaie de faire entre 6 et 8 répétitions de 3 ou 4 séries. Si c'est trop, n'hésitez pas à diminuer dans un premier temps. Libre à vous de refaire cette séance plus tard en augmentant le nombre de séries. Donc on a commencé avec les mouvements d'écarté, 3 mouvements d'écarté, 3 mouvements de lever genou, 3 mouvements d'extension. Travail sangle abdominale, quadriceps. On maintient le dos bien droit, fort dans les bras, cage thoracique bien ouverte, omoplate resserrée, épaules basses. Les épaules basses, le dos reste bien droit. En deux, on est parti sur les squats. Mettez bien le poids du corps dans les talons. Dégagez bien les bras vers l'avant pour bien dégager le fessier et le bassin en arrière. Trois grands, trois petits. En numéro 3, on est parti sur les triceps. Triceps, trois grands, trois petits. Les pieds éloignés, on reste bien proche de la chaise, d'accord. En numéro 4, on est parti sur les squats larges, d'accord. Pointe de pied extérieure, écartement qui vous permettent de descendre sur la chaise, toujours en contact fessier-chaise, et de partir sur les trois petits. Ok, ensuite, on est parti sur les pompes inclinées, larges. On vient solliciter le grand pectoral, les deltoïdes antérieurs et les triceps. On gaine toujours pour faire un travail sur le transverse et la sangle abdominale. On enchaîne sur les fentes. Gros travail sur fessiers, quadriceps. Soufflez bien en montant. Écoutez-vous surtout. Si c'est trop chaud, vous diminuez le nombre de séries, vous diminuez le nombre de répétitions. Et on a terminé sur un gainage en déclinaison. Travail plus intensif que sur un gainage normal parallèle au sol. Si celui-ci est trop important pour vous, vous le faites en position horizontale. Prenez en compte vos différentes pathologies, que ce soit au niveau du dos ou des épaules. D'accord? N'allez pas au-delà, mais sortez quand même de votre zone de confort. Voilà pour la première vidéo. Pensez à bien vous hydrater derrière. N'hésitez pas à faire des étirements. Les prochaines vidéos, il y aura différents groupes musculaires. Il y aura des cours un petit peu HIIT, un petit peu cardio. Il y aura des cours d'étirement, des cours de pilates. On pourra aller faire des cours de step, de zumba. Si vous le sentez, si vous êtes bien, je pourrais aller à la salle et puis faire un cours avec les jeux de lumière. Et puis que vous puissiez le refaire à la maison avec les enfants, en famille. Voilà, n'hésitez pas à liker, à faire des retours, à partager à vos amis. Ces séances vont vraiment, sont adaptées pour tout le monde et surtout s'adressent à tout le monde pendant cette période de confinement. Serrons-nous les coudes. À très bientôt, à demain en tout cas. Amusez-vous bien.